Élève le patriarche Jésus, élève le roi de roi, élève le candidat, élève le roi, élève la nation par ta parole, par ton cœur, par ton roi, élève le roi, le roi du roi, le roi de la nation, élève le roi, 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 élève le roi. Thank you.
7. Pour d'autres, c'est Ecclésiaste 5, verset 1. Il y a marqué « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt pour offrir le sacrifice insensé, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Amen. 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 Le Seigneur dit, prends garde. Quand tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi, écoute, que d'offrir le sacrifice des insensés. Dieu distingue deux choses. Ceux qui sont dans sa maison, mais qui offrent un sacrifice, Dieu n'agrée pas. Donc Dieu est présent ici, mais pour rien. Parce que ton attitude ne plaît pas à Dieu. Tu es présent, tu es là, mais pour rien. Sacrifice d'insensé. Parce que ta posture n'agrée pas le Seigneur. Cet avant, il dit de prendre garde. Quand tu entres dans la maison de Dieu, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, en venant ce matin, tu ne t'es pas approché d'un homme, d'une femme ou des hommes, mais t'approches du Dieu vivant, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand tu foules tes pieds en ces lieux, frères, sœurs, dispose ton cœur. Il dit, prends garde, fais attention, frère. Fais attention, sœur. C'est pas la plaisanterie. C'est pas un show. C'est pas un spectacle. C'est pas un cinéma. Mais c'est le Dieu vivant que nous voulons adorer en ces lieux. Prendre garde, c'est faire attention. À quoi? À son attitude. Comment ton cœur est disposé ce matin, maintenant, devant le Seigneur? Es-tu disposé à adorer Dieu ou à autre chose? À quoi tu penses durant ce temps ici? À ton portable? À ton compte Facebook? À tes vêtements? À ton enfant? À ton mari? À ta maladie, à ton travail, à quoi tu penses maintenant? Bien-aimé. Prends garde, fais attention. Car Dieu sonde les cœurs et sonde les reins. On ne peut pas mentir Dieu, on ne peut pas tromper Dieu. C'est pourquoi, quand tu foules tes pieds en ces lieux, oublie-toi toi-même et ce qui est autour de toi. Pense uniquement au Seigneur Jésus. Oublie tout, même ton voisin à côté. Oublie-le. Pense à Jésus. Prends garde. Mais comment penser à Jésus? Le cœur chargé, le cœur lourd, le cœur encore endormi ce matin sur la couette. On est encore lourd et fatigué. Bien-aimé, un cœur lourd ne peut pas adorer Dieu, mais un cœur libre peut adorer Dieu. Prends garde. C'est s'examiner. Nous venons ici pour adorer un Dieu de toute sainteté. Sainteté, sainteté, sainteté. Il n'a point changé. Sous la loi, il dit à Moïse, Moïse, sanctifie mon peuple. Je suis un Dieu saint. Ici, pareil. Il est toujours saint. Il ne changera jamais. Toi et moi, nous devons aussi avoir le cœur saint. Le cœur repenti, le cœur affranchi pour adorer Dieu. C'est pourquoi il dit de prendre garde. Quand nous entrons en ces lieux, et il déclare plus loin, s'approcher, approche-toi. Comment s'y approcher? C'est par la prière. Ton cœur disposé, disponible, ta bouche ouvre et ta parole sort. Tu t'approches par la prière. Car Dieu est un Dieu esprit. Nous voulons nous approcher encore de Dieu avec un cœur repentant. Un cœur repentant. Toi-même, tu sais comment tu as marché en semaine et encore aujourd'hui devant Dieu. Savoir demander pardon à Dieu et dire au Seigneur ce que j'ai fait de mal.
Car c'est pourquoi pendant le culte, il y a ceux qui dorment, ceux qui sont distraits, ceux qui sont oublieux. Parce que il entend le péché dans le cœur de l'homme. Dieu est un Dieu saint. Donc le péché là, ça perturbe ce que Dieu fait. La volonté, la motivation, l'envie. Parce que le péché là, il faut s'en décharger. Prendre garde, s'approche de Dieu. Toi-même, tu sais, et je sais aussi, moi-même, comment je marche avec Dieu. Examine-toi profondément. Et approche de Dieu par la foi. En prenant une posture d'humilité devant Dieu. N'importe laquelle que tu sais. Mais une posture qui témoigne que tu t'humilies devant Dieu et tu te réponds pour que Dieu tout-puissant puisse encore t'écouter ce matin. Être présent et encore t'être ceci. Car Dieu est un Dieu saint. Nous voulons t'approcher de lui. Le cœur libéré, le cœur repentant, le cœur sanctifié. Prends la position qui te convient. Tu vas parler à ton Dieu, de ton Dieu, car il est un Dieu saint. Seigneur Dieu, Yahweh, tu es le Dieu, capable de tout, Seigneur. Yahweh, tu es le Dieu saint, ô Père des dieux, au-dessus de tous les dieux. Yahweh, tu vis à jamais, tu vis aux de génération à génération. Yahweh, je bénis ton nom, l'ami fidèle, notre Dieu, l'ami qui aime à tout temps, Seigneur, dans le malheur, ô Dieu, tu te montres comme un frère, Yahweh, tu es mon frère, ô Dieu, Jésus, mon Seigneur, je bénis ton nom, ton amour, Yahweh, m'a façonné, ton amour, éternel Dieu, m'a formé, ton amour, éternel Dieu, Yahweh, ô Père de gloire, m'a libéré, m'a racheté, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh, je bénis ton nom, Seigneur, ô Père de gloire, qui est-ce que, ô Dieu, moi, Père de gloire, je t'ai donné des valeurs éternelles. Nous allons encore prier Dieu, de sorte que le Saint-Esprit de Dieu, lui qui glorifie le nom de Jésus, lui qui témoigne, nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, qui est le sang que Dieu a marqué, sans lequel nul n'est enfant de Dieu. C'est pourquoi nous ne voulons pas prier, nous ne voulons pas célébrer Dieu dans la chair. Ce n'est pas dans les émotions, ni les sentiments, ni les pensées humaines. Mais nous voulons célébrer Dieu sous l'autorité, oh alléluia, sous la houlette du Saint-Esprit de Dieu, qui connaît Dieu, qui sent Dieu, qui révèle la pensée de Dieu, qui communique la pensée de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Car le livre d'Éphésiens 2, 20 nous dit, les bâtisseurs qui bâtissaient ont rejeté la principale pierre de l'angle. Oh bien-aimé, si on se réunit ici sans le Saint-Esprit, nous sommes à côté. C'est en vain qu'on est ici, on veut qu'on a prié et chanté. Parce que le principal, Jésus en esprit, n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Il apprend le contrôle. C'est pourquoi dans le livre de M de Matthieu, chapitre 6. Verset 9 à 10, il y a marqué, Père, que ton règne, alléluia, le règne de Dieu descend sur terre. Le Saint-Esprit descend, il règne, il inspire, il conduit, il remplit. Alléluia, nous voulons célébrer un culte sous la présence, la houlette, l'autorité du Saint-Esprit de Dieu. Je la prie encore. Que Dieu soit le Père. Oui, l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Père très saint. Les anges du roi. Les profondeurs de Dieu. Notre Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit. Nous soumettons. Oui, les amis de la vérité, Saint-Esprit. Nous soumettons. La puissance de la nos cœurs. Nous soumettons. Nos vies sous le dos de Dieu, sous la houlette, alléluia,
du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit anime au nom de votre chambre à Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Thank you.
en prière. Bien-aimés, nous avons une famille en ce moment que nous parlons qui est endeuillée, qui ont perdu un être cher, mais ses frères, ses sœurs sont parmi nous. Bien-aimés, vous savez comme moi la douleur que ça peut faire de perdre un proche, de perdre un frère de sang, ça fait très mal. Vous connaissez un peu la douleur que ces personnes ont en ce moment. Dites donc, vous les enfants qui ont perdu leur père et la famille avec. Mais une chose est vraie. À cause de Jésus, ils n'ont pas vu à leur dé. À cause de Jésus, ils ne sont pas restés chez eux. Ils sont là ce matin pour élever ceux qui dorment la vie. Bien-aimés, nous voulons prier pour ces orphelins qui ont perdu leur père. Nous voulons prier pour cette famille qui est ici, qui est éprouvée. Que Dieu de toute consolation, là où on ne réussit pas un conseil des hommes, là où on réussit le Saint-Esprit, que Dieu console ces personnes pour sa gloire, qu'ils puissent encore réforcer l'amour, consoler, préserver pour sa gloire. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, notre roi, le Dieu qui porte de toute consolation. Je bénis ton nom, le Dieu qui chante notre vie. Je bénis ton nom, le Dieu qui chante notre vie. Père, ton Saint, le Dieu qui chante notre vie. Je bénis ton nom, le Dieu qui chante notre vie. Le Dieu qui est mort, le grand consolateur. Le seul qui est déjà capable de consoler tes enfants. Et toi-même, tu avais un champ de Jésus. Alors qu'un homme jamais n'a la capacité de consoler un cœur de ta vie. Aucun homme, aucune personne sur la terre n'a cette capacité de toi. Tu vas consoler ton Saint-Esprit. Merci pour la consolation de ta vie. Merci pour la paix et la joie. Merci pour ton nom, pour que tu aies ce matin. Oui, toujours en prière, nous voulons encore prier pour notre bien-aimé, qui lui aussi la semaine dernière a aussi perdu un proche à Kinshasa. Papa Dimundu, nous connaissons quasiment tous. Nous voulons prier encore que Dieu qui console puisse consoler ces personnes affectées, puisse relever, car Dieu qui a créé l'homme sait comment le relever. Il sait comment le consoler. Nous voulons soumettre les personnes affectées entre les mains de Dieu de consolation, qui les console pour sa gloire. Prions ensemble. Dieu puissant et éternel, Dieu puissant et éternel, le Dieu qui soutient, le Dieu de notre personne, qui est là, le Dieu qui console, le Dieu qui console, le Dieu éternel. Qui guérissent les blessures, qui tiennent comme le roi, ceux qui sont blessés par la famille éternelle, soit la force de la joie, c'est tout le monde. Mais à vos gens, nous tuerons, c'est le Seigneur qui nous fait. Yahweh, celui de l'homme, le temps de consommer que le nom de Dieu, le Dieu qui nous appartient à nos gens, qui guérissent leur serre, mon Dieu, et le temps de visiter ce qui est au nom de moi. Dans la compréhension, le Dieu qui soutient le vivant,
Amen.
comme un homme de Dieu qui va témoigner une chose que tu as faite de merveilleux. Tu n'as pas l'air. Fais attention. Jésus agit encore. Il agit encore. Tu peux appeler mon ami Patrick, venir témoigner. Ce que tu as fait, c'est juste ce que tu as fait. Dieu agit encore. Jésus est Seigneur. Viens, s'il te plaît. Voilà, je vais te présenter. Je m'appelle Stéphanie. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de bonheur. Qui m'a sauvé la vie. Et je ne sais pas comment, mais j'y crois. Amen. Je crois en Dieu. Ça, on n'enlèvera jamais de ma vie. Mais c'est tout là, et puis dans l'autre, qui est là, m'en sauver la vie. Dans mon entourage, dans l'établissement où j'habite, on veut très bien de... Tu veux le dire? Tu veux le dire, vas-y. On veut très bien de salon, de dégueulasse, de pourriture, de dégueulasse, sale et tout, et tout, et tout, et tout. Je ne suis pas comme ça. J'ai un cœur. J'ai beaucoup de choses à donner à tout le monde. Je l'ai donné tellement. Peut-être que ça m'a donné du mal. Et dis-moi, j'aimerais que... En fait, si vous voulez que... Mais regarde, quand tu me touches bien, c'est un miracle. Regarde, je marchais pas. Dieu soit loué. Ça fait combien de temps que tu marchais pas? Attends, il me manquait 17, 7 trucs de... J'en ai que 30. D'accord. En fait, si tu veux, on voulait peut-être. Ce que je voulais témoigner pour que. On veut voir la grandeur de Dieu. Et ça fait un moment qu'on te voit, souvent on devait parler. Dans l'église, peut-être personne ne faisait attention, on devait parler avec le pasteur, on devait parler avec les. J'ai bien de temps en temps parce que je ne sais pas. Et j'entends tellement les critiques. Oui, tu nous en avais expliqué. En fait, si vous voulez, notre bien-aimée, elle a entendu beaucoup de critiques sur l'église parce qu'elle habite juste à côté. Et donc, en fait, on lui disait, ne viens pas ici, parce que, bon, je vous en passe des vertes et des pas mûres, hein, vous imaginez bien ce qu'on pouvait dire sur nous. Voilà. Et elle a commencé à discuter très souvent avec le pasteur, et puis, on discutait avec elle, et puis... en fait, elle avait mal au pied depuis un certain temps, sa béquille est là-bas. Mais par contre... Que bébé. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, elle a voulu qu'on prie pour elle, parce qu'elle avait très très mal. Donc, c'est pour ça, je pense que vous avez vu Ludan en train de prier. Donc, je me suis permis de dire à Ludan... Je vais continuer avec ça. Et puis, je sais pas, quand on a fini de prier. Ne filme pas. Quand on a fini de prier. Non, c'est pour la gloire, ne t'inquiète pas. Quand on a fini de prier, en fait, elle s'est levée et puis elle a marché. Amen. Sans s'habiller. Amen. Elle a vu qu'elle était très heureuse et qu'elle est venue embrasser le pasteur parce que voilà, ça fait longtemps qu'il voit qu'il est avec elle et qu'il lui parle et voilà, elle voulait lui faire participer son bonheur. Nous bénissons Dieu. Marche, démonstration. Les cas les plus compliqués, la médecine n'est rien pour Jésus. Alléluia. Et la plus longue de Dieu, parce que c'est Samuel, qui a soutenu, fortifié, prié pour elle. Et aujourd'hui, Dieu a fait, elle marche, elle a fait. D'habitude, il n'y a pas d'équilibre des années. Mais Dieu, aujourd'hui, a fait. Alléluia. Jésus agit encore. Alléluia. Aussi, j'aimerais partager mes témoignages. Dans la semaine, tu as fait
pas mal de grandes choses et on entend pas mal de guérisons. Il y a eu un premier cas de mon père qui était. Il a fait un cauchemar. Vous voyez, quand on rêve des morts qui viennent vous voir, et puis et quand on rêve le mort, après, le mort te dit je t'emmène où je suis. Mon père était normalement en bonne santé. À un moment donné, il suffoque, son dos se bloque, n'arrive plus à marcher. J'ai ma mère, il était très très mal. Il a fait un cauchemar qui a failli l'entraîner. Ma mère appelle mon frère. Mon frère appelle ma soeur qui est à tout. Ils se disent, ah, là c'est compliqué, on a fait quoi? Pompier, Samu, ma soeur a dit, appelez-lui donc. En fait, on va lui donc, pour appeler Jésus. Mais bon, pas grave. Ils m'ont appelé. J'ai dit, c'est un petit joueur. J'ai dit, c'est un petit joueur. Moi, je connais un vainqueur, pas un joueur, mais c'est un vainqueur. J'ai dit, demain, je passerai. Mon père était pour me poser son âme. Papa, c'est toi. Il est catholique, mais je vais parler de Jésus-Christ. Et vu qu'il a mal, comment tu peux faire? Marie ne t'a pas sauvé. Ni Archange Michel, ni les aïeux, ni les ancêtres ne t'ont pas sauvé. Tu ne vas pas. Là, là, mon Jésus peut t'aider. Par contre, tu crois. Si tu crois, il te rétablit maintenant. Ce n'est pas demain, pas après demain. C'est maintenant. Amen. Ma mère a dit, hé, chérie, pas ton fils, hein, ça se trouve, ça va être ça. Mon père a dit, oui, je crois à Jésus, comment on fait? On a prié, on s'est rencontré. Mon père, reçoit Christ, ma mère avec. Je me suis mis à genoux après avec eux. Après, je transpirais. Ma mère me dit, putain, tu transpires en père ou en foi comme ça? Maman, c'est intense. Donc, tu as fait. Et à l'instant T, les mots sont partis quand c'est venu, sans dire au revoir. C'est un petit joueur. Un petit joueur. Cas numéro 2. Je vais voir un monsieur qui a fait la théologie au lycée. Il a étudié Jésus-Christ comme les Nicodèmes, un vrai théologien. Ce monsieur, quand il parle aux musulmans, il les fait comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Mais par contre, il ne croit pas au miracle. Et, mais il a beaucoup de connaissances de Jésus-Christ, beaucoup de connaissances. On parle ensemble. Il me dit que non, Jésus a agissé hier pour des prodiges, pas aujourd'hui. Les miracles, c'est à l'époque, beaucoup de connaissances et de versets de théologie. Il lui manquait une chose, le Saint-Esprit. Il manquait le Saint-Esprit. J'ai dit, tu convainc les musulmans, d'accord, mais il y a un problème. Tu ne t'es pas convaincu que Jésus-Christ guérit encore, ça c'est grave, comme il peut l'être. On ne va pas faire un long débat, ni un grand discours. Jésus habite en moi. Si Jésus-Christ guérit encore, maintenant que je te parle, ça va partir. Parce que le monsieur, pendant 3 jours, toutes les nuits, le cœur battait vite et infernal. Et il ne dormait pas. 3 jours. J'ai dit, si Jésus-Christ guérit encore, il va où? Par contre, toi, réponds-toi et reviens au Seigneur. Retourne à Dieu que le dire des choses qui n'ont pas de sens. On a prié 3 minutes. Ces mots-là sont partis instantanément dans mon esprit. Jésus-Christ a cherché. Troisième témoignage, et le dernier pour commencer, pour laisser la place à un serviteur. Il s'est passé un fait scandaleux. Congo-Brazzaville. Il y a une ministre qui est allée voir les collégiens. Dès qu'elle est rentrée, 40 et quelques collégiens sont tombés dans le coma instantanément. Ils tombent comme ça, ils n'arrivent pas à respirer. On te lavait la main. On a ramené une quarantaine de collégiens au service d'animation oxygène dans le coma. Or, c'est un fait qui est très, très dangereux. Une ministre qui rentre, mais les élèves tombent tous. Vous imaginez un peu le côté diabolique, vraiment, en plein jour. Et vous connaissez les gens qui étaient apeurés, attristé, malheureux. Sur le coup, quand on me l'a dit, je ne sais pas trop faire gaffe à la vidéo, j'ai parlé, m'a envoyé le message et tout. Bon, je trouve que je travaillais, donc je ne sais pas trop faire attention. Ma mère m'en a aussi parlé. Ah, on a regardé avec ma mère. Mais le fait que ma mère soit attristée, mais vous connaissez les mamans, quand elle voit des enfants de 12 ans, 13 ans, quand elle a vu la mort, maman était effondrée. Ma soeur aussi a deux. Mon frère aussi, j'ai dit, ah, c'est beaucoup. Hein. J'ai vu ma mère, je suis resté un peu calme.
Et ça m'a fait quelque chose. Comme c'est des jeunes enfants à l'école, là, ils vont mourir parce que quelqu'un vous prend l'offre. Tout le monde était apeuré, tout le monde. Sur le coup, le Seigneur me crée une pensée à cœur. Il m'a dit, tu sais, on a dit à Élisée, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Élisée, prophète, a fait quoi? Il dit, il y a la mort, c'est pas grave. Je mets la poudre. Ça a parti. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Ensuite, il m'a donné ce qu'on pensait. Il m'a dit, dis donc, ces enfants-là, la nuit d'aujourd'hui à demain, ils partiront. C'est un sacrifice des ténèbres. Ils vont mourir. On connaît que la mort, chacun dans une famille ici, qui, malade, dans l'hôpital, il meurt. Tout le monde a vécu ça ici. Vous savez l'histoire. C'est un moyen qu'ils sont dit à mort. Donc, l'homme a mis la conduite au diable. Donc, il faut aller les récupérer. Il met la pensée, il me dit, regarde Ézéchiel. Il m'a dit, Ézéchiel, j'ai mis dans une vallée, une vision. J'ai ramené à la vie au semoir desséché. Donc, dis des choses et écoute les instructions. Il dit, mais maman, c'est rien, maman. T'inquiète pas. Aucun ne mourra. On m'a pris pour plus qu'un cinglé. Il y a 40 personnes en danger, tu dis que personne ne mourra. On m'a regardé bizarrement. On m'a fait pour un cinglé. J'ai dit, maman, rassurez-vous. Aucun Dieu ne mourra. Du coup, quand je parle, j'engage moi-même et mon Seigneur. Paris est au courant de ce que j'ai dit. Nice avec les tours. Donc, Paris, Nice, Tours, les trois au courant qu'il a dit qu'aucun ne va mourir. J'ai dit, je vais aller appeler mon Jésus. Il va les ramener avec. On m'a dit, hé, hey, toi, là, tu rigoles. Et sur le coup, je suis rentré chez moi. Une pensée impure me venait me disant, hé, hey, ils sont morts pour de vrai. On ne peut rien faire. Où t'as vu les morts qui rêvent? Quand ils meurent, ils meurent. Il n'y a rien à faire. En plus, les vidéos montrent bien que ils sont suffoques. J'ai dit, écoute-moi bien, petit joueur. La peur ne me connaît pas. Ni l'inquiétude. Je sais en qui j'ai cru. C'est toi qui as peur comme moi. Parce que moi, je sais que je me suis appuyé sur le rocher des âges. J'ai le vainqueur. Donc, je peux tout avec lui. J'ai dit, reste calme. S'il y a ce qu'on appelle la sorcellerie, la malédiction, la destruction, il y a aussi la victoire en Jésus-Christ. Amen. Tout le monde pleurait, moi je ne pleurais pas. Je savais en qui j'ai cru. J'ai dit, maintenant ils vont comprendre qu'à Nice, il y a un homme qui se tient devant le Seigneur. Et je veux parler, je veux prier, je veux rentrer en prière. Mais ce n'est pas des prières à deux balles, non, Jésus-Christ. Ça, c'est des prières intenses. Parce que là, il y a des âmes qui sont engagées entre la vie et la mort. Il fallait les récupérer, les ramener à la vie. Donc, la force, il faut être attentif. Je me suis enfermé, j'ai fait la riposte avec Jésus-Christ. On a prié, mais une prière intense. Tout ce qui me disait le Seigneur, en me parlant, je n'ai pas les deux oreilles. Quand vous me parlez, j'écoute là et là. Mais quand c'est Jésus-Christ, j'écoute une seule oreille, l'oreille droite. C'est tout. Là, je ne peux pas. Il m'expliquait les choses que je faisais au fur et à mesure, pendant la prière. Au fur et à mesure, à la fin, j'ai fini. J'ai dit un peu parmi nous, la veille, frère, aucun lieu ne mourra. Mon Dieu le cite encore. Ils sont réveillés, ramenés à la vie. Quand je rentre au salon, vous imaginez, je vois quoi sur ma main gauche? Une araignée noire. Je dis, hey, mais d'où? Moi, j'avais vu l'araignée. Enfin, l'araignée comme ça, c'est ma main, j'avais vu ça. Il n'y a pas du tout d'araignée, ce qui vient. Une araignée ici, sur ma main. Je dis, ah bon? On voyait quand même un missionnaire, un inspecteur, pour voir qui nous a bombardé là-bas par les prières. Une araignée sur ma main gauche. Je dis, ah, c'est toutes les poussées. Le Seigneur me rappelle, il me dit, t'as vu Paul? Il va auprès des barbares pour évangéliser. Paul a eu quoi? Pas une araignée. Paul a eu une vipère. Paul a rigolé, il a pris. J'ai vu l'araignée, j'ai dit, oh, petit joueur. 3 × 0 = 0. J'ai pris, j'ai écrasé. Mais pendant que j'ai dit, c'est rien. Je sens que j'ai cru. Le jour d'après, le lendemain matin, sur les 42 élèves, 2 étaient encore un peu blessés à l'hôpital sorti. Les 40 étaient sains et saufs. Donc, ramenés à la vie par Jésus-Christ de Nazareth. La résurrection. 40, ils ont appelé Dieu est Dieu.
pas une exception. Dieu peut faire avec quiconque. Il n'y a pas que Élisée, il n'y a pas que Moïse. Dieu peut faire avec toi. Mais simplement, tu es une fille de sanctification. Bien-aimé, quand l'ennemi se pointe devant des cas comme ça, si tu n'as pas suffisamment de sanctification, tes prières n'auront pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet. Il faut être sanctifié. Et quand tu as la foi, l'ennemi te connaît et se retire. L'autorité repose sur toi. Christ est en toi. Frère, je vous exhorte. Ne fais pas dans le péché. Et puis sanctifié. Quand tu vas prier, tu vas obéir. Tu vas obéir. Mais le péché va t'éloigner du Seigneur. Et lui de sanctification et de foi. Dieu fera les choses miraculeuses et impossibles. Pour sa gloire, par sa bien. Alléluia. Nous allons remercier Dieu. Et il faut entendre nos cœurs à la parole. Jésus nous dit, écoute, nous voulons écouter le message du Seigneur. Il veut nous dire aujourd'hui, parce que Dieu agit encore. Nous voulons prier que nos cœurs soient aptes à écouter. Et se mettre l'homme de Dieu entre tes mains, que Dieu puisse encore l'inspirer pour nous parler. Notre Père, notre roi, ce Dieu est capable de personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder par le Seigneur. Alléluia. La Bible déclare que Jean, dans l'île de Patmos, en train de regarder des images, en train de regarder quelque chose. Qui se passait? Qui était le plan de Dieu?
Mais quand tu regardes cet événement, il est émotionné. Quand tu regardes l'événement, il est emporté parce qu'il ne comprenait pas en fait ce qui devait arriver. Il y avait un homme assis sur un trône. Et il y avait un livre ouvert qui était écrit en dehors et en dedans. Et que Dieu prononça de paroles afin que quelqu'un ouvre ce livre. Cet homme a pleuré parce qu'il n'avait personne pour ouvrir le livre et les rendre les sept sceaux. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui était important, c'est qu'il y avait cet homme qui était assis sur le trône. Alléluia. C'est lui qui fait le sujet de joie ce matin. Amen. Il a dit qu'il y avait un homme assis sur un trône qui regardait, qui observait les hommes, les anges, les ministres, les prophètes, qui attendaient peut-être voir un prophète réagir, un homme réagir. Mais la Bible dit que personne ne fut trouvé digne même de regarder. Alléluia. C'est cet homme Jésus. Il est assis sur un trône béni. Et il abandonne son trône. Il descend. Bon, ce matin, je suis dans la joie. Est-ce que les chants, vous pouvez répondre ces cantiques? Si vous venez les chanter tout à l'heure. Assis sur son trône. Un homme assis sur un trône. Alléluia. Oh, je veux qu'on l'adore encore. Alléluia. Parce que cet homme mérite l'adoration. Nous allons encore l'adorer. Nous allons lui exprimer que nous avions compris en fait l'acte qu'il a accompli à la croix. Nous allons lui exprimer que nous avions compris que ce qui s'est passé à la croix était pour toi. Amen. Assis sur son trône. Tranquille. Tu es un Dieu qui ne bouge pas n'importe comment. Tu as un Dieu qui est en paix, qui ne s'agite pas. Alléluia. Amen. Assis sur son trône, sois loué. Nous voulons encore l'adorer avec ce cantique. Alléluia. Rentre au-dedans de toi, commence à l'adorer. Réalise la grandeur de l'Éternel sur la terre. Et commence à l'adorer. Parce qu'il est assis sur le trône. Parce qu'il sait que personne ne peut le bouger. Rien ne peut le nuire. Rien ne peut le mettre mal à l'aise. Parce que c'est lui qui détient toutes choses dans le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Hallelujah.
infiniment reconnaissant. Reconnaissant que tu es mort à la croix, Jésus. Alléluia. La Bible déclare que de même le serpent des reins est élevé dans le désert. De même le Fils de l'homme est élevé afin que quiconque regarde à la croix conserve la vie. Au nom, ce matin, nous voulons conserver la vie. Alléluia. Nous voulons conserver la vie car le monde est en train de mordre par le serpent brûlant. Et nous sommes ce matin dans ta présence afin de recevoir la vie. Et pas n'importe quelle vie, la vie éternelle, Jésus. Alléluia. Qui est réservée aux enfants que tu as choisis. Amen. Merci Jésus. On acclame encore le Seigneur. Prenons place, bien-aimés. Tu peux en même temps saluer ton frère qui a pu voter. Communiquer une parole de joie, une parole de paix. Alléluia. Nous sommes en train de parler du salut. Nous sommes en train de parler du salut. Du salut. Et la fois passée, nous avions dit que si on pouvait commencer à interroger chacun de nous, je crois que on sera capable de défendre, de parler, même en 5 ou 10 minutes, ce que c'est que le salut. Parce que les hommes de Dieu ont vraiment utilisé leur énergie. Ils ont cherché par tous les moyens à parler au peuple de Dieu, afin que nous puissions comprendre la grandeur de ce mot salut. Parce que la Bible entière, avant la création, l'homme de Dieu nous l'a dit, pendant la marche et jusqu'à la fin de toutes choses, le thème central de la parole de Dieu, c'est le salut. La Bible tourne autour du salut. Voilà pourquoi celui qui ne saisit pas cette opportunité de comprendre ce message, ça sera difficile. Alléluia. Amen. On nous a donné toutes les définitions possibles du mot salut. Délivrance, action de sauver. Un acte qui expliquait que le peuple était en danger, était prêt à mourir et que quelqu'un a vu, il est venu, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Jean 5, à partir du premier verset. Quelqu'un assis sur un trône qui regarde le monde qui tendait vers la mort, vers la fin. Et il se lève, il prend une décision de venir. Il dit que ce n'est pas par la volonté des hommes, mais c'était par son propre gré, par sa propre volonté, qu'il a pris une décision de sauver l'humanité. Voilà pourquoi nous avons dit tout le temps qu'on a écouté la parole de Dieu que le salut ne vient pas par les œuvres. Le salut, c'est le fait de croire en cet homme qui est Jésus. Alléluia. Amen. Elle dit que ce n'est pas par les œuvres afin que quiconque ou personne ne se vante aujourd'hui que je suis sauvé par mes propres moyens ou par mes propres possibilités. Mais c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Quand nous avons défini, nous avons écouté les définitions du salut. Et la fois passée, on a dit que ça, souvent, ça revient dans la tête, ça tourne autour de nous, comme si c'était plusieurs choses qui se parlaient, alors que c'était la même chose qui se disait. On a parlé du rachat, on a parlé du rançon, on a parlé de la rédemption. Et tout cela explique le salut. Alléluia. Amen. Tout cela, Dieu veut nous amener à comprendre l'acte la plus importante qu'il a fait, afin que l'homme soit assis comme toi ce matin. Parce que sinon, tu ne seras pas dans cette condition. Alléluia. Amen. C'est un acte d'amour. Voilà pourquoi nous avons intérêt à le respect de cet homme, Jésus de Nazareth. Yes. Alléluia. Amen. Excusez-moi. C'est lui. Pendant tout le temps qu'on a écouté, la Bible nous a détaillé qu'il n'y a pas une autre personne qui nous a amené ce salut, sinon que Jésus de Nazareth. Et si le salut, c'est conserver la vie ou c'est vivre éternellement,
où se vive la grandeur de Dieu, ça veut dire que tous ceux qui sont en dehors de Jésus n'ont pas le salut. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont en dehors de Jésus Christ n'ont pas le salut. Alléluia. Et le point, le sous-thème que nous avions noté le dimanche passé, c'était l'adoption, qui était aussi un point qui parfois nous trouble de temps en temps. J'ai écouté quelqu'un dire, mais comment se fait-il que quelqu'un qui vient de Dieu peut être adopté, alors que dans la définition, l'adoption, c'est prendre quelqu'un qui ne t'appartient pas. C'est prendre un enfant qui ne t'appartient pas et faire de cet enfant un enfant légitime. Alléluia. Amen. C'était un débat, je crois que ça fait un an ou deux ans de cela que je suis venu à tel débat. C'était les serviteurs de Dieu qui discutaient de ça. Et lui, il a fini par comprendre qu'il y a l'adoption, en fait, c'est diabolique. Il a diabolisé la parole de Dieu. Alléluia. Alors que quand nous sommes dans les Écritures, on ne peut pas parler du salut sans passer par l'adoption. Parce que le dimanche passé, nous avons dit que Dieu, dans Jean 3,16, il déclare que j'ai tant aimé le monde et j'ai envoyé mon Fils unique, qui est Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus n'a qu'un seul fils. Légitime. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle d'un enfant ou d'un fils, il parle de Jésus. Il parle de son propre fils qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Alléluia. L'adoption, c'est un mot qui vient de grec, Iothésia, qui veut simplement dire, je vois que je l'ai pris, placé au rang de fils. Placé au rang de fils. C'est un mot grec, parce que nous allons comprendre que la Nouvelle Alliance, la personne qui a beaucoup plus frappé sur l'adoption, c'est l'apôtre Paul, qui est notre apôtre, c'est lui qui avait reçu le mandat d'aller parler aux nations qui nous sont. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui martèle sur l'adoption. C'est lui qui fait comprendre que même Israël, si ce monde n'existait pas, on ne pouvait pas les appeler enfants de Dieu. Alléluia. Bien que dans la même parole de Dieu, Dieu lui-même déclare que Israël est mon fils premier-né. Alléluia. On va y arriver. Donc l'adoption, c'est prendre un enfant et le placer au rang de fils. Parce qu'il y a une différence entre enfant et fils. Voilà pourquoi il est écrit que aussi que vous demeurez enfant, vous ne différez pas d'un esclave. Un enfant reste esclave. Pourquoi? Parce qu'il a des biens qui l'appartiennent, mais il n'a pas le plein pouvoir de jouir de ses biens. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la maturité. Oh Jésus. Et nous avons défini l'adoption selon l'explication du dictionnaire, qui parfois aussi nous met dans des erreurs, parce que la parole de Dieu, on ne l'explique pas forcément avec des définitions des hommes. La Bible ne s'interprète que par elle-même. Il y a des hommes qui ont commis de graves erreurs en prenant les définitions des dictionnaires pour expliquer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Iothésia, qui veut dire maître, a un titre de fils. Et vous allez comprendre qui vous êtes. Afin que même s'il y a un problème, même s'il y a une difficulté quelconque, quand vous comprenez ce que vous êtes, vous n'allez plus bouger, comme on a dit, il est assis sur un trône. Pourquoi il est assis? Parce qu'il sait que personne ne peut le déranger. Amen, amen. Il est tranquille.
tranquille. Alléluia. On a fait allusion à un exemple le dimanche passé, qu'il y avait un guépard et un chien. Les scientifiques voulaient tester la vitesse d'un guépard et d'un chien. Et on l'a mis une ligne d'arrivée. Le chien a couru. Et il est revenu, le guépard est resté tranquille. Il n'a pas bougé. Après, on m'a demandé, mais pourquoi tu ne bouges pas? Il a dit, mais ce n'est pas mon niveau. Je ne peux pas courir avec un chien parce qu'il se connaît ce qu'il est. C'est l'animal qui court le plus vite de tous les animaux. Et imaginez-vous, on le met avec un chien. Il dit, mais celui-là, si je cours, avant même qu'il atteigne deux pas, j'ai fait mal et tout. Pourquoi perdre mon temps à courir? Alléluia. Et on s'est dit, parfois, nous, les chrétiens, nous perdons du temps pour rien du tout. Simplement parce que nous ne savons pas ce que nous sommes. Alléluia. Amen. L'adoption dans la définition, c'est prendre quelqu'un pour fils ou pour fille par un acte légal. Et on a parlé le dimanche passé, on est en France, on ne peut que définir, c'est selon la loi de la France. Et donc on a jugé bon d'expliquer qu'en fait l'adoption ici en France se passe dans les orphelinats, dans les tribunaux qui demandent selon la loi des critères. Ça veut dire que si tu as besoin d'adopter un enfant, il y a des critères. Tu dois accomplir tous ces critères afin qu'on te l'aide, qu'on te donne un enfant. Et parmi ces critères, il fallait que tu sois marié pendant plus de 2 ans. Et quand on a parlé du mariage, on parle des homosexuels aussi, on parle des... Donc, quand on parle du mariage en France, on parle des mariages illégaux et légaux. Et quelqu'un qui n'avait pas de femme, qui n'était pas marié, aussi pouvait adopter un enfant, à condition qu'il ait plus de 28 ans. Ça, c'est la loi de la France. Et que si tu veux déjà adopter, si tu te reconnais dans ces voies-là, tu peux adopter un enfant. C'est la loi de la France. Alléluia. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Alléluia. Donc un acte qui explique que prendre quelqu'un pour qu'il soit un fils ou une fille. Mais un acte qui est légal. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu, nous avons pris 2 exemples, on a plusieurs. On a pris 2 exemples. Dans Genèse 15, 2 à 3, on a pris dans Genèse 48, verset 5, qui nous parle du désert de Damas avec Abraham. Qui sont des figures. Bien que la Bible ne mentionne pas le mot adoption, mais c'est des actes qui nous expliquent par définition que c'était l'adoption déjà. Alléluia. Amen. Donc, Eliezer de Damas était le plus ancien de la maison d'Abraham. Et Abraham n'avait pas d'enfant biologique. Et pendant qu'il est en train de grandir avec cet enfant, il commence à dialoguer avec Dieu, et parmi ces dialogues, il fait une plainte au Seigneur. Dans Genèse 15, vous pouvez lire tout le chapitre. Il dit au Seigneur, mais je m'en vais vers ma vieillesse, ou encore vers ma mort. Je n'ai pas un enfant biologique. Voyez-vous qu'Abraham, il a reçu une promesse. Et la promesse était que sa descendance, il ne pouvait pas les compter sur la terre, ni dans le ciel. Mais une bénédiction qu'il ne touche pas, qu'il ne voit pas. Mais il a dans sa maison un enfant adoptif, qu'on appelle Eliezer de Damas. Et il dit, voici tout ce que j'ai comme bien, c'est pour Eliezer de Damas. Et Dieu insiste en lui disant, ce n'est pas lui. Amen. Car l'héritier de ta maison viendra de tes entrailles. Amen. Alléluia. Amen. Isaac. Je veux dire rire. Alléluia. Amen. Et nous avons pris un deuxième exemple qui était dans Genèse 48 à partir du premier verset qui aussi parle d'une adoption. On regarde un homme, Jacob, on regarde Joseph qui était vendu en Égypte comme esclave mais qui après le temps il devient premier ministre dans ce pays étranger. Mais dans ce pays étranger, il a 2 enfants. Manassé et Ephraïm, qui avec le temps, par la bénédiction dans la lecture, qui
qui a fait que Ephraïm soit le premier et Manassé soit le deuxième. Alléluia. Amen. On va comprendre l'histoire déjà. On ne va pas s'attarder. Donc, la Bible dit que cet homme, dans sa vieillesse, était prêt à mourir. Et Joseph, connaissant la loi, connaissant les règles, parce que qu'on le veuille ou pas, Joseph est le type de Christ. Quand vous regardez tous les actes que Christ accomplit sur la terre, et vous lisez Joseph, identique. Il n'y a pas un homme dans la Bible qui accomplit, je peux dire, l'exactitude, sauf la croix. Je l'ai épargné la fois passée. Parce que la croix, il n'y a personne. Il n'y a que Jésus. Et quand vous lisez la vie de cet homme, c'est en fait la projection de Jésus. Cet homme apprend que son père est prêt à mourir. Et qu'avant de mourir, il y a une promesse qui est faite en Israël. Les 12 tribus. Ça, c'était depuis Abraham, la promesse. Et Joseph, étant que fils légitime de Jacob, il le savait ces choses. Mais il savait aussi que dans la loi, qu'un enfant qui devait épouser une femme étrangère, ces enfants-là n'avaient pas part à l'héritage de Jacob. Alléluia. Amen. Vous allez voir Moïse avec Séphora et la réaction de Marie et Aaron. Elle dit qu'ils ont été frappés de la lèpre. Pourquoi? Parce qu'ils se sont opposés. Ce qui était légal, selon la loi. En fait, ils ont parlé selon la loi. Que Moïse, autant qu'hébreu, ne pouvait pas avoir une femme étrangère. Alléluia. Et il les amena devant Jacob. Il rentre dans la chambre de Jacob. Elle dit que Jacob était prêt à mourir. Quand il les regarda, il ne voyait plus de monde. Qui est devant moi? Et c'est là que Joseph se prononce. Voici tes enfants, ces petits fils-là, il y a Ephraïm, il y a Manassé. Et vous savez, comme j'ai dit que Joseph était le type de Jésus. Et dans cet acte, quand vous regardez bien, vous êtes en train de regarder quelqu'un comme en train d'entrer dans le lieu très saint. Amen. Afin de présenter un peuple. Parce qu'en ce moment-là, Manassé et Ephraïm ne font pas partie d'Israël. Un peuple étranger, un peuple incirconcis. Et il fallait donc les présenter devant le Seigneur, afin qu'ils aient aussi, qu'ils aient la part, l'héritage qui a été prononcé. Amen. Alléluia. Amen. Et quand cet homme a appris que c'était Manassé et Ephraïm, la Bible dit qu'il a réuni toutes ses forces. Alléluia. Parce que quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez comprendre que l'affection de cet homme-là était beaucoup plus attachée à Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph avait eu une femme, mais il s'est retrouvé avec deux femmes sans, pas obligation. Jacob. Il s'est retrouvé avec deux femmes par contrainte. Il avait choisi Rachel et on imposa Léa. Et comme il était tellement attaché à Rachel, Dieu, il ferme la fécondité de Rachel et il libère Léa. Et donc Rachel ne faisait pas d'enfant. Jusqu'après, Rachel a eu un enfant qu'il appela Joseph. Et donc, il fait quoi? Il enlève l'affection qu'il avait sur Rachel, il le met en Joseph. Et vous allez lire l'histoire, vous comprenez qu'il était beaucoup plus de tous ses enfants, beaucoup plus attaché à Joseph. Et quand on vendit cet enfant-là, il prend l'affection, comme il savait qu'il était déjà mort, il le met en Benjamin, qui était aussi son petit frère, qui venait de Rachel, parce que Rachel n'avait eu que deux enfants. Après, Benjamin, elle est morte. Alléluia. Amen. Et cet homme se lève, il impose les mains sur ses deux enfants et il commence à proclamer une bénédiction sur eux. Et parmi ces bénédictions, il dit à Joseph, ses enfants ne seront plus à toi. Amen. Ces enfants m'appartiennent maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Ces enfants t'appartenaient, mais à partir de cette prière que je fais, du fait que tu rentres dans la maison de Dieu, et pas au salon, dans le lieu très saint, et que tu rencontres l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, ces enfants ne font plus partie de tes enfants. Si tu auras des enfants après eux,
ça sera des enfants. Pour les deux, ce sont des enfants. Alléluia. Et on a dit que voilà pourquoi dans les 12 tribus, alléluia, on ne retrouve pas le nom de Joseph. Alléluia. Parce que Éphraïm et Manassé, ils ont remplacé par adoption. Amen. Ne vous laissez pas tromper parce qu'il y a des hommes qui manipulent tellement la parole qu'ils pourront vous faire comprendre que ce n'est pas l'adoption parce qu'il n'y a aucune mention biblique qui explique le mot adoption. Mais l'acte nous prouve que les enfants qui ne t'appartiennent pas et que toi tu veux le faire entrer dans l'héritage qui t'appartient, c'est un acte d'adoption. Amen. Qu'on le veuille ou non. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Éphraïm et Manassé sont rentrés dans la lignée des 12 tribus par adoption. Quelqu'un m'a dit un jour que finalement ils étaient donc 12 tribus, 13 tribus. Dis non. Lisez bien l'histoire, vous allez comprendre que Lévi n'avait pas de terre. Amen, amen. Lévi était une tribu qui était consacrée pour le sacerdoce de Dieu, amen, pour le service du temple. Amen. Donc ils n'avaient pas part dans l'héritage de Dieu. Et donc c'est Éphraïm et Manassé. Vous savez, Dieu, il n'y a pas un mathématicien qui peut démontrer par A à Z qu'il connaît des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Dieu, il sait comment placer, à quelle époque, à quel moment placer les choses exactement. Amen. Et chaque chose a sa place. Alléluia. Amen. L'adoption. Et quand vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que même Israël en entier était aussi les enfants par adoption. Amen. Vous avez Jérémie 18, on peut lire, homme de Dieu. Jérémie 18. Non, Jérémie 3, 18 à 19. Je cherche des moyens, comment? Je regarde un peu, mais comment prendre ce peuple alors que c'est Jérémie plus... chapitre 3, à partir du verset 18, 18 à 19. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Je disais, comment te remettrai-je parmi mes enfants? Amen. Ça va. Et tu peux encore lire Romains 9, le 4. Non, Romains 9, le 4 à 7. Voilà. Romains 9, 4 à 7. Tu lis au moins deux témoins. Qui sont Israélites? Mm-hmm. À qui appartiennent l'adoption, alléluia, et la gloire, alléluia, les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu sans la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais, il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Vous comprenez par là que même Israël, que lui il appelle enfant unique de Dieu, mon fils premier-né, il appelle comme ça, il ne pouvait pas appartenir à Dieu s'il ne passait pas par l'axe d'adoption. On va l'expliquer à la fin. Dans la nouvelle alliance, parce que là nous sommes toujours dans l'ancienne alliance. Alléluia. Donc Israël, un peuple que Dieu choisit, il cherche. Ça lui plaît de choisir un peuple, pas parce que ce peuple a dit qu'il a fait, il n'a pas fait le choix parce que Israël était en train d'intercéder, de prier. Non. Ça n'a plus de faire un choix. Il avait plusieurs peuples. Il a choisi de lui-même. Il a commencé par Abraham. Quand vous lisez la vie d'Abraham, Abraham était dans une maison de péché. Son père, lisez la vie de son père, vous allez comprendre que c'était une maison où il y avait l'idolâtrie, il y avait beaucoup de choses. Mais Dieu ne s'intéresse pas au péché. Alléluia. Dieu ne s'intéresse pas à ce que les hommes s'intéressent. Dieu lui regardait ce qui était au-dedans de cet homme, Abraham. Amen. Il le prend et il va dans un pays où je te montrerai. C'est là que je te bénirai.
Alléluia. Amen. C'est là que j'étais béni. Donc Israël aussi faisait partie de la nuptie. Amen. Mais quand nous lisons Éphésiens 1:5, parce que nous avons dit au départ que la personne qui martèle sur l'adoption, c'est Paul. Donc on peut dire que c'est la doctrine de Paul. Comme vous pouvez dire que c'est la loi de Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est Paul. Si nous voulons comprendre ce que c'est que l'adoption, il n'y a pas un autre homme dans la Bible, sauf que Paul. Parce que c'est lui qui a reçu la révélation de l'adoption. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Paul parle, il ne parle pas de l'adoption des Israélites. Il ne parle pas selon le langage de l'adoption des hommes. Parce que Paul, si intelligent qu'il était, il savait la culture, il savait le comportement, il lisait tellement trop. Et d'ailleurs, les Romains, à l'époque, ils étaient comme les rois. Et les Hébreux étaient comme esclaves. Ça veut dire qu'ils étaient sous l'emprise des Romains. Donc, ceux qui ont mentionné à la lettre ce que c'est que l'adoption, c'était les Romains. Alléluia. Et Paul emprunte un langage des Romains afin d'expliquer à ses frères ou à ses confrères le prix de l'adoption. Parce que l'adoption chez les Romains se passait en public. Ce n'était pas dans une salle ou dans un orphelinat, non. Les Romains, quand ils parlaient de l'adoption, ils prenaient l'adopté et l'adoptant. Les gens du quartier étaient témoins, les gens de la ville, et tout le monde devait être présent. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez en l'histoire de Ruth, vous comprenez que cette femme aussi, il y avait quelqu'un qui voulait la prendre, mais comme il n'avait pas le droit de rachat, et dans la coutume juive aussi, ça se passait comme ça. Il fallait appeler les anciens, il fallait que ça se passe en public, afin qu'on le lègue le droit de rachat. Mais chez les Romains, c'était pire que ça. Ils faisaient quoi? Ils prenaient l'ancienne identité. Ils déchiraient. Alléluia. Amen. Ils déchiraient l'ancienne identité. C'est pas bien. Kibongi. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Kibongi. Il t'attribue un nom, un prénom, il fils de X, tu deviens fils de Y, et de Z, tu deviens et de H. Ça veut dire que le but, c'était d'effacer toute trace qui exprimait ta filiation. Et on a donné un aperçu sur le racine, le film de racine. Ce film, je l'ai suivi attentivement. Et dans ce film, on appelle le trafic triangulaire, ça veut dire que c'était la quête négrière. Ça veut dire que comment on a traité les Noirs. Et le but, c'était quoi? C'était d'effacer. C'était comme on appelle le formatage. C'est vrai que ce n'est pas le terme qu'il faut employer. Mais c'est juste pour se faire comprendre. C'était, on formatait les Noirs. On les prenait de l'Afrique, on les amenait en Amérique. Et là-bas, il fallait changer les noms, il fallait tout changer. Il fallait te faire oublier. Je vous ai dit que j'ai parlé avec beaucoup de mes frères qui sont des îles et on a dialogué parce que je connais bien l'histoire. Et ils ne savent plus d'où ils viennent. Mais quand tu les entends parler, ils parlent Swahili, ils parlent des langues du Congo, mais ils ne savent plus. Les Haïti, les Comores, tout ce monde-là. Ça, c'est le résultat du trafic triangulaire. Et c'était le but des Romains. Quand tu te prenais, il te mettait dans une famille et il fallait tout effacer. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi Paul emprunte ce langage que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Alléluia. On peut lire Romains 8 à partir du verset 14. Pour mieux le comprendre. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont. Vous pouvez continuer jusqu'au verset. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Alléluia. Vous êtes encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit
d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Par l'Esprit, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous aussi, la création attend-elle avec merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Gloire à Jésus. Paul est en train de parler à l'église. Paul est en train de bifier l'église. Parce que il y avait les judéo-chrétiens, il y avait les pagano-chrétiens, c'est-à-dire que ceux-là qui étaient du judaïsme, qui connaissaient la loi, mais qui s'étaient convertis, semblant, en christianisme. Et il y avait des païens, des grecs, qui n'étaient pas sous la loi, mais qui étaient aussi devenus chrétiens. Et ils voulaient, les judaïstes, c'est-à-dire ils voulaient s'imposer. Ils voulaient démontrer aux nations qu'ils avaient en fait une part double ou supérieure aux autres qui avaient cru par la foi. Et ils voulaient ramener le travail de Paul à zéro. Ça veut dire que quand Paul passait, eux, ils passaient, ils exigeaient la circoncision. Observer le sabbat. Parce que ça fait partie de la loi. Nous avions Moïse. Ils imposaient les choses. Et avec le temps, le peuple commençait à prendre un peu l'image, accepter un peu ces choses qui venaient de la loi. Alors Paul, il emploie le langage romain pour bien éclairer l'église. Alléluia. On a dit que le salut, ce n'est pas payant. Le salut, ce n'est pas un effort physique. Mais le salut, c'est un don. Amen. Que Dieu, il donne à l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par la prière, on l'a expliqué la fois passée. Ce n'est pas par le jeûne. Mais c'est pas la volonté de Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Il a regardé. Frère Lino, je ne sais pas à l'époque, qu'est-ce que tu étais? Tu ne connaissais même pas Dieu. Mais il te choisit. Il dit à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le sein de ta maman, je te connaissais. Je t'avais même déjà consacré. Il n'est même pas encore là. Alléluia. Il n'a même pas encore prié. Son père n'a même pas prié pour lui. Oh, quel Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher à rentrer dans la présence d'une telle personne? Réaliser la grandeur. Délimiter la vie afin de comprendre ce qu'il est pour nous. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on aime une personne, on donne le plus beau cadeau. On donne ce qui est le meilleur. Alléluia. Mm. C'est pas comme aujourd'hui, les gens s'amusent avec le mariage. On a aimé au départ et avec le temps, on commence à... Avec Dieu, c'est pas comme ça. Voilà pourquoi Paul insiste. Il montre, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. L'amour de Christ pour l'Église est infini. En fait, se régénère tous les jours. Même quand tu pêches, son amour ne l'empêche pas de t'aimer. Amen. Même quand tu commets des actes, il ne va pas à l'encontre de la loi ou de la parole de Dieu. Son amour ne cesse pas à bouillonner dans son cœur. Il continue à t'aimer comme étant son fils. Alléluia. Et c'est l'image. Et vous savez que Dieu n'est juste que les images et le langage des hommes afin de nous amener à comprendre ce qu'il est réellement. Alléluia. Voilà pourquoi celui qui comprend le mariage, il a la facilité de comprendre ces choses. Alléluia. Je n'ai pas dit que celui qui n'est pas marié ne comprendra pas. Mais au moins, il n'est pas loin. Sans explication de ce verset, il peut comprendre ce que c'est. Alléluia. Et femmes, soyez soumises à vos maris. Vous savez, si on interprétait cette parole comme il se doit, et que si on la respectait comme il se doit, on n'aurait pas de problème dans les foyers. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Amen.